Bon bah désolé pour cette petite coupure, en tout cas si vous venez d'arriver, désolé. Je sais pas ce qui s'est passé, c'est carrément la connexion de OBS à Twitch, perdue, un zéro pointé, donc désolé pour cette petite coupure. Donc si vous venez d'arriver, soyez la bienvenue, n'hésitez pas à discuter, à poser des questions ou même encore follow, ça fait toujours plaisir. On est parti jusqu'à 16h aujourd'hui. Je refais tout ce petit speech parce que je pense que je vais pas mettre la vidéo d'avant. Si il se passe tout se passe bien, j'aurai pas à le refaire. Donc allez, on est reparti, on va aller fermer un petit peu comme d'habitude un peu partout. Et on verra ce qu'on fait pendant ces 2 heures. Là on switch de chaîne, donc je suis déjà dans le feu, c'est là où il me manque le plus de dust. Donc on est parti. En espérant que la connexion OBS Twitch reste connectée du coup. Je préfère que ça crache au début plutôt que plus tard. Ce qui me ferait bien chier. Voilà. Donc re-bienvenue à ceux qui étaient là. J'espère que Thibaut est encore là. Donc peut-être qu'on va pas faire que des boîtes de feu pendant 2 heures, on verra bien ce qu'on fait. Ça ne fait que commencer les amis. Je sais pas du tout ce qui s'est passé, c'est vraiment l'émission OBS à Twitch. Il a fait nope, je veux plus, il est passé à zéro d'un seul coup, je sais pas ce qui s'est passé. Alors que le jeu c'est pas du tout crash, le stream de la musique c'est pas crash, donc c'est vraiment que OBS quoi. Donc des fois comme ça tu sais pas ce qui se passe. Mais bon, j'aimerais bien pouvoir faire des streams à l'avenir correct quoi. Sans faire je lance, ça fonctionne quoi. J'aimerais vraiment que ça se reproduise plus quoi. Si possible. Donc comme je disais tout à l'heure, je vais me boire du Darjeeling pendant ce stream. C'est chose que je n'ai pas faite depuis au moins une bonne semaine. Je peux pas faire le donjon, il est anti-gravitationnel, donc je suis obligé de passer par le haut. Donc ça c'est good, j'ai fait un trou, mais je ne peux pas sauter dedans parce que le trou est beaucoup plus bas du coup. Donc je suis obligé de rentrer dedans et de faire le donjon, on va dire, à l'amiable. Voilà. Tout simplement parce que le mec il a le passif anti-gravitationnel. Plutôt chiant comme affixe. Donc ne pas oublier de taper d'abord les élites avant de mettre le beamer. Sinon je vais me taper du KS. Du KS tout seul. Et ça serait dommage de se KS tout seul. Donc on est parti aussi pour remplir tous nos bouquins. On en a fait déjà quelques-uns ce matin et tout ça. Donc ça devrait pas prendre trop de temps, là on fait celui de la dust de l'eau. Donc 5000 dust d'eau. Ça devrait pas prendre trop longtemps non plus. Voilà, ça devrait être bon là parce que sinon il va être un peu trop amer après. Parce que le Darjeeling, si on le laisse très longtemps, il est quasiment imbuvable pour quelqu'un qui a pas l'habitude avec du thé noir. Bon, ça va, hein, je peux le laisser 10 minutes, un quart d'heure, je le bois quand même, hein, y a pas de problème.
Même très très fade, je peux boire un thé sans souci. Salut Néon, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Hop, le premier petit Stellar. Une petite Spear Attack Speed. Ça, on sait déjà qu'on va pouvoir la casser sans problème. Une Spear Attack Speed ne sert à rien. Voilà, tout simplement. Salut Raichu, comment vas-tu? Ça va, merci. Et toi, depuis le temps, Raichu, comment vas-tu? Quoi de neuf? J'espère que tu vas bien. Néon aussi, j'espère que vous passez un très bon mardi. On a fini notre part de cubit. Déjà une chose de faite, je l'avais pas encore faite. Donc là, on joue pendant 2 heures jusqu'à la mise à jour, les amis. Puis on s'arrêtera quand le serveur s'arrêtera. Puis il y aura une mise à jour de 3 heures, 3 ou 4 heures, je pense. Donc voilà. Donc pas grand chose, plutôt. Énormément de correctifs, des petits bugs par-ci par-là, des bugs qui seront pas encore corrigés. Ils avaient pour principe à la base de corriger le système de groupe et finalement ils sont revenus sur leur décision. Ça sera pour plus tard. Ils ne l'enlèvent pas maintenant. Ils vont l'enlever, mais pas maintenant. Voilà. Je sais pas si c'était si gênant que ça de l'enlever maintenant, mais c'est pas pour tout de suite, puisque c'est un système qui est assez catastrophique. La preuve, si mon beamer tue un élite, un mob élite, sans que je l'ai touché, mon familier KS le mob, donc du coup je n'ai pas de loot. Puisqu'il n'est pas considéré comme mes propres dégâts et que je ne suis pas en groupe avec mon beamer, ce qui est logique. Et écoute, quand on a que 2 heures dans la journée, ça peut caler bien. Ah, bah ça c'est cool, ça si t'as eu que 2 heures de cours ou d'activité, je sais pas ce que tu fais. Bah, c'est GG ça. Ouais, merci, ça donne quoi le jeu qui était en dev? Ah, le jeu qui était en dev est toujours en dev. Le mec a redécidé de retravailler sur mes maps que j'ai faites, je pense. Si je dis pas de bêtises. Je sais pas ce que ça donne, ça avance plus, donc pour le moment le jeu il est pas très très. Voilà, moi il vient pas me donner de nouvelles, il vient pas me demander s'il a besoin de quoi que ce soit pour le moment. Malheureusement, on pourra dire qu'il est quasiment mort, quoi. C'est dommage. Deux heures de cours de oui demain et pareil et le week-end. Ah, GG. Sacrée semaine, dis donc. Ah merde, il y avait une élite là. Ok, dommage, et ça fait depuis juin que j'ai pas joué, il y a dû avoir du changement. Sur quoi? Sur Trove? Les changements. Bah pas mal, en fait dans le sens où... ouais, pas mal, ouais. On va dire ça comme ça, on va dire oui, pas mal. Surtout avec le nouveau système de club et tout ça, maintenant oui, il y a pas mal de... Après, le mieux c'est que tu ailles voir par toi-même parce qu'il y a eu tellement de choses quand même.
Ça serait vraiment long de t'expliquer tout ce qu'il y a de nouveau. Hein. Tout ce que je peux te dire, c'est que il y a un peu plus d'utilité et d'importance au club qu'avant. Sais pas où il est le boss, il est. Ah, il est remonté. Mais c'est principalement les clubs en fait. Hein. Après, il y a encore des nouveaux dragons. Enfin voilà, la base quoi. Je veux dire, c'est vraiment au niveau des clubs. On a le système de groupe qui est pas très très fonctionnel, mais qui peut être utile de temps en temps. On va dire ça comme ça, mais qu'il faudrait qu'ils revoient parce que y a plein de problèmes avec. Comme je disais tout à l'heure, je peux être KS par mon propre familier s'il tue un élite sans que je le touche. Donc du coup, pas de loot. Pareil avec les gemmes, si ta gemme elle a un passif qui fait qui tue le boss en un coup et qui casse le coffre, bah pas de loot, voilà. Et fini le boomranger, oui tout simplement, parce que pour le du speed farm le boomranger est pas très rapide. C'est pas vraiment fini hein, je l'ai encore joué tout à l'heure, d'ailleurs ça m'a fait du bien, ça m'a changé un petit peu de gameplay. Mais pour du speed farm c'est mieux de prendre une classe rapide. Et là j'ai fini le livre et je l'ai toujours pas changé. Donc ah oui, principalement aussi au niveau du mastery, il y a plus de bridation. Pour le moment, on peut quasiment monter à l'infini tant qu'il y a des trucs quoi. Même si c'est pas trop vrai, jusqu'à maintenant c'est que 540 je crois le grand max. J'ai vu plusieurs personnes avec le bloc-tombe. Mais bien sûr, ça va commencer à se répandre. Tout le monde utilise la technique des quêtes de club rapides. Voilà. Moi j'aurais pu, sincèrement, j'aurais pas mis des clubs hits pour le club, et je l'aurais déjà là. J'aurais fait vraiment mon gros radin, j'aurais pas mis des clubs hits, je l'aurais déjà. J'ai acheté qu'un seul fragment pour le moment. Je pense que si j'arrive à gérer et à temporiser entre le club et les frags, je pense que d'ici une semaine, je peux avoir, une semaine, voire une semaine et demie, je peux avoir le bloc 3. Le dragon des clubs du coup. Je vais peut-être casser, faire un petit peu de tri dans mon inventaire, mettre les pignatas de côté, qu'on le jettera peut-être un de ces quatre. Peut-être les stocker tout simplement pour le moment. Il y en a un que je vais niquer parce qu'il commence à me casser les couilles. Connard! Putain, je peux pas rien faire tranquillement quoi. Je pense que je vais monter quand j'ai le temps un ninja. Ah! Un ninja, ouais, ça peut être pas mal un néon ninja pour le speed farm. Ouh, je me suis fait plaquer. J'ai réussi à rattraper le. Ah non, j'ai plus de saut. Va falloir que je réfléchisse aussi quel bâtiment mettre après celui-ci, parce que pour le moment je vais mettre le bâtiment pour réduire le coût de gemmes, le coût des gemmes quand on les monte, et ça donne la possibilité d'avoir une boîte supplémentaire. C'est le prochain objectif, c'est de le mettre ce bâtiment-là, et après je ferai en sorte de full un bâtiment une fois que je l'ai mis quoi. Donc prochainement, on verra nos stats augmenter du fait que je mettrai les bâtiments au niveau 3 dès que. Enfin, on mettra un bâtiment et l'objectif, ce sera de le monter au niveau 3 directement. Enfin, pas directement, mais suite à ça, quoi. Je vais pas mettre tous les bâtiments, quoi. On va aller mollo, quoi. Déjà, il faut bien réfléchir de mettre quel bâtiment à quel moment, parce que. Au bout d'un moment, ça devient compliqué, quoi. Déjà que là qu'on vient à peine de passer niveau 6. Le niveau 7 c'est dans 442 000 XP 442 000 970 divisé par le ce qu'on peut faire par jour, donc 68 000
68 132. Pardon si j'ai éternué. 60 000. Merde, j'ai oublié. 68 132. Ça fait 6 jours. Donc déjà là, ça va nous prendre 6 jours et demi à level up niveau 7. Donc on aura de quoi en clubit, je pense, on aura de quoi faire. Là, on pourra. Oh, là, limite, le temps qu'on passe niveau 7, on aura acquéri peut-être 2-3 bâtiments supplémentaires. On les aura montés niveau 3. Et voilà. Bah, ça, les gems, ça n'a pas changé. Hein. Après, t'as la possibilité de reroll les stats de gems maintenant, mais ça coûte excessivement cher. Ça coûte des lunar souls. C'est vraiment la galère. Mais même les petites gems, si tu peux les reroll, même si c'est pas trop OP de le faire, c'est mieux de le faire sur les grosses gems plutôt que les petites. Mais bon, après, ça commence à coûter cher en clubit les loyers après. Oui, mais il y a des bâtiments qu'on va mettre qui vont réduire par la suite le coût des bâtiments, donc du coup, par semaine. Donc c'est évident que ça va nous coûter plus cher, mais là j'ai fait en sorte d'avoir le marché niveau 3. Comme ça, on fait une économie de 15%. Il y a une économie de 15% sur les clubites grâce au marché au niveau 3. De toute façon, dans tous les cas, il faudra aussi qu'on monte la banque parce que là, actuellement, on est bloqué à 9000 clubites. On peut mettre jusqu'à 9000 clubites dans le club avant de les utiliser. Bon, c'est une grosse limite, hein, mais bon. Peut-être que je ferai ça pas tout de suite, mais il faudra envisager de le faire. Parce que moi à la base, en sachant pas que c'était à des levels de... Parce que t'as des bâtiments qui se débloquent au niveau 8 et tout ça. Moi je pensais que tous les bâtiments ils allaient être disponibles dès le début. Et c'est qu'après les upgrades qui auraient été bloqués par le level. Pas vraiment ça en fait. Une fois que le bâtiment est mis, si tu peux le grab, tu peux le grab. Il n'y a pas vraiment de limitation. Donc c'est ça le problème. Donc là, dès le niveau 8, on pourra mettre le bâtiment pour les bâtiments de combat. On pourra mettre le bâtiment pour réduire de 15% déjà par semaine le coût de la rente. Donc et après on pourra, je pense, très rapidement monter ce bâtiment au niveau 3, comme ça sera moins 25% au lieu de moins 15. Je vais reprendre à partir du 8 décembre, j'aurai passé mon concours. Ah d'accord, cool. Après voilà, il faut que les gens participent, parce que si les gens participent pas vraiment... D'ailleurs, pour les clubites, le problème là, que quand on donnait tout, ça s'affichait pas dans le club. Après la match, ça devrait être corrigé. Après la match de cet après-midi, ça devrait être corrigé. Donc même les gens qui mettront tout d'un coup, ils n'auront pas besoin d'en enlever un pour que ça soit comptabilisé dans le club. Ça les donnait hein, au club, c'est pas ça le problème, c'est que dans le classement, dans la page des membres, ben... Si tu donnais toujours tout, bah, tu es à ta zéro. Donc pour éviter d'être à zéro, ben bah voilà. Après, je vois que si je demande pas, il n'y a pas grand monde qui donne, quoi. Si les gens se bougent le cul seulement quand je dis « Allez, il faut donner !» À moins de ça, il n'y a personne qui donne, quoi. C'est fou, quand même. Attendez, je branche mon téléphone parce qu'il a bientôt plus de batterie. Bon, pour le moment ça va, la stabilité de OBS est présente. Je sais pas ce qui s'est passé avec le serveur. J'ai dû avoir un souci avec le serveur, et maintenant je suis sur un autre, je pense. Mais pour que ça s'affiche dans les membres, il faut mettre la totalité et t'en enlèves un. Il faut faire tout moins un à chaque fois, actuellement, avec le problème, le petit souci. C'est pas grave, t'es bientôt au week-end. Néon, comme t'as dit. Donc, j'ai eu un coup de barre là d'un coup.
De toute façon, là, il va falloir que je m'active aussi bien pour voir le dragon que pour avancer dans le clum. Parce que c'est quand même un dragon qui donne de la physical damage. Je pensais qu'il n'était pas terrible, mais uniquement pour le physical damage, ça peut nous aider. Et si je dis pas de bêtises, il donne du physical. Hein. Merde, attends, on va se poser. On va voir ça. Alors, travel, dragon. Ah, il est là. Ah c'est ça, c'est encore de la vie, du maximum heal pourcentage, bon ça à la limite on s'en fout, et 500 physical, ça peut encore aider. Et celui-ci c'est le magical du coup, mais critical hit. Donc là c'est pas mal quoi, j'ai encore chopé du critical hit sur du dragon, ça va être pas mal. Sur le néon, les gemmes c'est full attaque physique et critical, ou comme d'hab, ouais comme d'hab, ray shoot, comme d'hab. Je l'ai dans 2 semaines le despoiled. Dragon despoiled dans 2 semaines. Donc en gros je vais quasiment avoir les deux en même temps. Si je calcule bien. Et après ben, je serai vraiment. Parce que pour le moment je dis je suis full dragon. Mais on va dire accessible. Le Moonlight est beaucoup moins accessible, tu vois. C'est vraiment en fonction du temps, t'as vraiment une constante attente. T'as pas grand chose à faire pour l'obtenir, mais il faut attendre quoi. Après t'en as qui sont tentés d'acheter les costumes tout ça. Moi je les achèterai les costumes parce que je fais le mastery, tu vois. Mais je me suis retenu pour le moment. Donc les costumes ça viendra après et mon mastery va s'envoler à partir de là puisque j'aurai plus que les costumes à faire avec ça. Quel deux. J'ai pas compris Rayshoot. Je suis dans un site de merde, j'ai plus rien. Voilà, j'ai plus rien. En même temps, si vous avez besoin de stuff, les amis, n'hésitez pas. Hein. J'ai peut-être de quoi vous substanter. On se régale avec un costume de Despoiled, hein, c'est pour ça. Hein. Et au final, bah, une fois que j'aurai tous les costumes Despoiled, je me restreins dans ce qui me manque dans les despoiled là, c'est enfin dans les pas des spoilers, dans les mastery. Au bout d'un moment, il me manquera plus que la carpette, hein. La carpette et la kitten button ou je sais pas quoi, la button kitten là qu'on peut pas obtenir pour le moment. Je sais pas comment je vais faire celle-là, mais parce qu'elle était à la Thanksgiving de l'année dernière dans une quête. Donc un peu compliqué à obtenir quoi, du coup. J'aurais pensé qu'on aurait pu, j'aurais pu l'obtenir là, mais pas du tout. Donc c'est un peu chiant en fait. J'ai que 80k monnaie. Bah avec 80k maintenant tu fais un full stellar Rayshot. Un full stellar pas ouf ouf, mais les mouvements speed. Ou autre stat c'est à peu près 20k et les critical damage en second stat c'est 25k, donc même en prenant 3 critical damage t'as assez de flux. Donc tu peux full stuff équipement sauf l'anneau évidemment vu qu'il y a les anneaux stellars maintenant, voilà c'est un truc aussi que j'ai oublié de te dire, et les anneaux stellars enfin qui coûtent un peu plus cher. C'est quoi la carpette? Une mount? Oui, la carpette spéciale de Trove que tu t'obtiens en regardant les lives officiels et où ils font des giveaways. Et il faut être tiré au sort tout simplement. Ça va faire 3 ans que je participe, 3 ans que je l'ai toujours pas. Donc je sais pas comment je vais faire pour l'obtenir au bout d'un moment, mais il faudra que je l'obtienne. Étant donné que maintenant il n'y a plus vraiment de limitation. Avant je m'arrêtais à 300 de mastery parce qu'il n'y avait plus de récompense après, tu vois. Mais là, il n'y a vraiment plus de limite. Tant qu'il y aura des récompenses à récupérer dans la catégorie Mastery, tu vois,
Je le ferai. Là, je sais qu'ils ont fait jusqu'à 600. D'ailleurs, 600, c'est le phénix qui crache du feu. Hein, le phénix qu'on a crafté soi-même. Crafted ici. Voilà. Mais on a amélioré. C'est celui-ci, mais on a amélioré. Celui-ci, bah, c'est un phénix dragon qui ressemble à un dragon, il faut dire ce qu'il est. Qui peut pas cracher pour le moment, il fait que voler. Mais il est déjà assez compliqué à obtenir, tu vois. Mais enfin, long. Compliqué, pas vraiment, mais long. Merde, j'avais fini. Fini ma dose de l'air. Je vais faire mon bouquin de lure. Après, c'est compliqué, hein. Sur un stream officiel, on est plus de 300, donc. C'est compliqué de gagner sur un stream officiel. Toi, t'assures-toi, sinon je préfère te les prendre. T'assures-toi, sinon je préfère te les prendre. De quoi elle rajoute? J'ai pas compris, t'as juste sur moi mes couilles. Oui, je les ai toujours, mais non, de quoi tu veux parler? Après, si te manque un peu, quand même, considérer un max mastery, je pense. Oui. Actuellement, j'en suis où? Je suis 102ème. Je suis quasiment bientôt dans les 100 premiers. Donc voilà. Après, il me faut encore quelques montures, hein, celles des Shadow. Shadow Tower, il m'en manque encore deux ici. Il me manque celle-ci, la DD. Et celle-ci, là, la 650 000. Là, c'est... Mais je pourrais très bien me les choper un jour, je suis sûr que je vais me les choper. Je sais pas pourquoi je le sens. Je sens que je vais à peine les acheter celles-ci et je vais me les choper. Après, c'est que il me faudrait juste à peine 3 millions. Je pense qu'avec 3 millions, je peux me les obtenir. Après, il suffit d'attendre que ça redescende un petit peu. La DD, elle était à 2,8 millions au corps là. Je pense qu'avec 3,5 millions, je peux acheter les deux. Regarde le classement XP du club. C'est où ça? Attends, je sais pas où c'est. Ici? Je suis 53ème moi. Mais bon, il y a des gens qui sont un peu plus. Chino, il est premier. En plus, ça sert à rien de faire autant pour le club puisque. Eh merde, je l'ai pas tapé. Tu vois, je l'ai pas tapé. Je me suis fait KS par mon beamer. Bim! Saloperie. Ça m'apprendra là. Bah, moi je reforme ce soir l'adventure. J'ai pu essayer de me bloquer aussi aujourd'hui. Et je commencerai les farms après midi. Parce que les farms avant midi ça sert pas à grand chose puisque l'XP. Enfin, ce qui est bizarre, c'est que la réinitialisation. Du taux d'XP par jour, c'est à minuit, mais la réinitialisation personnelle d'XP, c'est midi. Donc en gros, tout ce que tu fais entre minuit et midi va aller au club, mais en général, les quêtes te donnent de l'adventurine. Donc en gros, tu peux recommencer à rechoper de l'adventurine seulement à partir de midi. Donc pour éviter ce genre d'incident, bah, le mieux c'est d'attendre midi et de refermer pour le club. Parce que là, ce matin, tout mon farm et celui de Chino nous ont pas donné d'adventurine toute la matinée. Donc c'est dommage, on a perdu un peu quoi du coup. Donc c'est compliqué leur système de réinitialisation des quêtes de club là, c'est chiant. J'aime pas ça. On peut faire avec un Justling Gun ou seulement avec lui. Le gun on peut, parce que ça fait tu mets ton ulti et tu peux. Et tu récupères ton ulti à chaque fois que tu arrives sur la map, donc tu peux. Mais il faut bien savoir viser quoi. Toutes les classes distance, même le SH à la limite, hein. C'est un peu plus compliqué mais. Mais c'est vrai qu'avec une classe qui fait des dégâts de zone à l'impact, c'est plus facile quoi.
Ah, t'as rien perdu! Donc35K, c'est 2 jours de forme ça, 35K ou pas? Ou c'est qu'aujourd'hui? Ben non, je suis con. C'est pas qu'aujourd'hui, je suis con. Franchement, il faut que j'arrête la beuh, moi je crois. Étant donné que quand t'as le patron, tu peux te faire que 10K par jour. Faut vraiment que j'arrête, moi. Mais non, mais je viens de tilter, je cherche pas chez nous, je cherche pas. Je suis complètement à l'ouest là. Ouais, c'est limité par jour, bien sûr. C'est simple, c'est 220 quêtes. Ou 200 fois. 200, 220 fois le fait d'aller chercher de l'aventurine. Après, c'est bloqué, voilà, basta. Bah, je recontinuerai après la mage là. Et avec le patron, c'est simple, tu fais 200, 221 x 47, voilà, 10 387 par jour. Donc voilà. Donc logiquement, aujourd'hui, je peux me permettre d'acheter un frag avec ce que j'ai déjà. Mais il faut que je finisse tout d'abord. Je pourrais m'acheter un frag et mettre un peu dans le club du coup. Alors qu'après, je peux facilement un jour sur deux acheter un frag en fait. Et après, bah après, ça sera tout bénef pour le club quasiment parce que je fais le bloc tronc. Après, il me reste plus que les alliés. Les alliés, c'est de la merde quoi. C'est mais limite les alliés, je pourrais en acheter deux par jour et mettre le reste après des 2000 dans le 200 clubites dans le club. Voilà. Malgré tout, après derrière, même plus que 200 clubits, puisque maintenant on a le marché niveau 3, donc du coup c'est un peu plus rentable. Donc c'est assez. Voilà. Donc en gros, grâce au marché niveau 3, on peut un peu, entre guillemets, penser un peu plus à sa gueule. Entre guillemets, j'ai acheté déjà toutes les montures actuellement, j'ai acheté toutes les montures, tous les styles. Tous les styles, les armes, la face et tout ça. Ouais, et les montures. Même encore ce matin, j'ai acheté la moto de merde là. La moto en bois. Une moto en bois, s'il te plaît. Et malgré tout ça, j'en donne encore conséquent là. Au club quoi. Bah, en donation, on va faire ça. Bruno, c'est premier avec 2400. Je suis deuxième avec 2200. Chino est derrière. Mikasa est derrière. Thibaut est derrière. Chino 2 est derrière. Free Anoni est derrière. Pacalo est derrière, etc., etc., etc. Donc, on voit bien les gens qui profitent de cette de ce truc qui ne mettent pas après dans le club, par contre. Parce que les gens qui sont là, ils connaissent l'astuce puisqu'on les voit. Mais vu que ça sera corrigé tout à l'heure, il n'y aura plus l'excuse. Ah ouais, mais j'en ai donné beaucoup plus, c'est parce que j'ai tout donné, donc du coup, ça n'a pas comptabilisé. Ça leur faisait une excuse limite quasiment valable pour ne pas en donner au club. Maintenant, ça va être autre chose. Et je vais sévir un petit peu si vraiment c'est corrigé. Ça va être vite vu. Parce que là, ça va être des sommes colossales qu'on aura besoin de par semaine. Moi, je veux bien limite mettre quasiment 200 clubits par jour, c'est déjà pas mal. Si tout le monde met 200, on arrive très vite à une belle somme. Hein. Franchement, voilà. Donc, des fois, j'en mettrai plus. Mais voilà.
Là, ça sera plus le cas après la mage. C'est corrigé le problème de l'aventure des dons anonymes. Voilà. Le souci de dons anonymes, comme ils disent dans le patch note, sera résolu. Bah ouais, hein, faut pas tout mettre en fait. Hein, faut tout mettre et enlever un avant de valider. Ah, un petit stellar, qu'est-ce que c'est? Un hat critical damage. J'en ai souvent des hats critical damage. Hein. Les critical damage, je sais plus quoi en faire. J'ai un coffre complet de critical damage et j'en chope encore à la pelle. Je sais plus quoi en faire. À part les daze. Mais le problème, c'est que ça se vend même plus. Regarde, je suis à 11 200. Voilà, il y en a 3 devant et ça s'achète plus. Il n'y a plus personne qui achète les Stellar Souls, j'ai l'impression. J'ai vraiment l'impression que les Stellar Souls, c'est ça y est, c'est fini. En même temps, ça sert pas pour monter le stuff, ça sert uniquement pour craft les anneaux. Bah oui, pour crafter le stuff, pourquoi tu vas crafter, enfin, EP ton stuff en Stellar alors que tu peux te l'acheter plus. Donc tu vois, c'est pour ça qu'il n'y a pas autant d'influence que le Penta de l'époque. Le Penta, il servait quand même à monter au Radiant, tout ça, et... Alors que là, maintenant, le Stellar est tellement faible que tout le monde sait très bien qu'il faut pas monter son stuff, qu'il faut l'acheter directement. Donc là... On est un petit peu emmerdé. Quand ça part, tant mieux, mais c'est long à partir. Surtout que quand on farm avec Chino, toi la quête s'enchaîne rapidement. On peut rapidement en avoir 1000, 2000 d'aventure et donc 200 clubits seront assez fréquemment. Bah bien sûr, bah bien sûr, bah bien sûr. Et en plus, c'est tout bénef, t'as rien à foutre. Et en plus, apparemment, on aura de la chance. Ils en parlent pas dans le patch note. Donc c'est à dire que cette technique elle va être perdurée là, voilà. Donc étant donné que pour le niveau 7 il faudra une semaine dans le club, on aura largement de quoi mettre de nouveaux bâtiments et tout ce qui va avec. Donc limite peut-être même full autre bâtiment qu'on a besoin avant de pouvoir mettre les bâtiments qui réduisent. Après c'est sûr que ça fait mal en début de semaine, mais EP, un bâtiment, supprime le coût de la rente. On devait payer le marché niveau 2 lundi, là hier quoi, et le fait de l'avoir passé niveau 3, ça l'a enlevé de la rente. Donc j'ai bien fait de pas payer la rente finalement, puisque après la rente n'était plus que de 188, le bâtiment pour les stats critiques quoi. Parce que le... voilà. Encore un petit Stellar. Une Spear Attack Speed, on va pouvoir la death ça. Ça c'est sûr et certain, ça on peut death. Donc après effectivement je pourrais me faire vite du flux là, je pourrais me faire quasiment 60 000 flux rien qu'en cassant tout ça. Même pas, plus. On va compter ça vite fait de tête là. On va compter mon nombre de stars, si je venais là casser ce que j'ai sur moi actuellement, combien je me ferais d'un coup. Donc c'est simple, t'enlèves donc 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 55, 60. C'est 70 dans l'inventaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah non, c'est 10. Donc 5, 10, 15, 20, 30, 40. Non, pas 40. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 45, 50, 55, voilà, 55, 55, 50, 56, voilà, 56, donc c'est simple, tu fais 56 fois 2500, parce que c'est le, ce que donne comme tu le pètes, me fais 140 000 flux, juste en désant tout ça. Et après, admettons que je les vends juste à 10k, hein, bah, 500, 10k x 56, ça fait 160. Donc, plus de 600k sur moi là. C'est hallucinant. Et ça, je me suis fait ça en 2 jours à peine. Sans parler d'après tout ce que je casse à côté,
de l'Egypte, quoi. Les Shadow 2, les Shadow 3, les Shadow 4, les Shadow 5, qui donnent aussi pas mal, les Radiants, les... Donc ça monte à vite, finalement, ça monte très vite. Et donc du coup, je me demande si l'économie, elle est pas uniquement dans le Death de Stellar, quoi. Parce que les Stellar Souls ne sont quasiment déjà plus achetés. C'est dommage. Bah après, il y a les artefacts aussi, que j'ai toujours pas d'aise depuis que j'ai commencé la mage. 576 flux cristal, voilà, c'est déjà pas mal, quoi. Rien que les flux cristal, ça me donne pas mal. Hein. Ça fait 27 000 de flux en flux cristal. GG à toi, Chino et Thibaut. Tu as du stuff lunar, je vais monter lunar car j'ai un costume. Oui, bien sûr, bah, j'ai précisément que pour le lunar, Raichute. Donc, si tu veux, voilà, je peux te vendre ça sans problème. Après, j'aimerais garder ma map, donc si tu veux acheter quelque chose, bah, je vais te faire venir dans mon monde une œuf, quoi, du coup. Merde, je suis full. À une maison, s'il vous plaît, là-bas. Tu vois, là, limite, celui-là il peur, les miens ils peur d'après, quoi. Je suis en 11 200, faut pas déconner, quoi. Étant donné qu'il faut savoir qu'il faut jouer avec un peu d'énergie régène au début sur le lunar, après c'est plus très... Moi j'en ai plus besoin du fait que je fais plus de... quasiment plus d'attaque de 1, donc si je peux en enchaîner 3, ça suffit à finir les mobs qui restent ou les faire les cursettes, quoi. Donc j'ai plus vraiment besoin d'énergie régène. Stream commercial, bah pff, je vais finir par en faire, hein, carrément. Sérieusement, j'aime pas faire ça, mais voilà, après si ça peut aider, moi je l'ai fait vraiment pas cher, mais c'était là, après... Après voilà. Mais ça, si vous attendez sur le stream pour que je vous en donne, ça par contre... ça, vous pouvez toujours courir. Parce qu'il n'y a rien qui me garantit qu'après vous, vous n'allez pas les vendre ou ce genre de choses. Et ça, il n'est pas marqué banque gratuite sur mon front, tu vois. Ken IC Stat, il veut mes stats, quoi, tout simplement. Enfin, je gère pas encore le U9, donc ouais, mais bon, plus vite on aura une meilleure qualité, plus vite on pourra jouer, quoi, parce que là, je sais plus trop jouer ce que je fais, hein. C'est vraiment pourquoi tu veux que je t'invite Raichute pour le stuff? Bah attends, je me pose déjà, je vais voir ce que tu... Dis-moi ce que t'aimerais, est-ce que tu veux vraiment Tu veux quoi, tout simplement, qu'est-ce que tu veux? Tu veux la totalité, arme, face et Parce que, je sais que j'ai une très très bonne spire en énergie régène sur moi, donc comme je te disais au début, t'en as fortement besoin, après tu pourras t'en passer, mais ça peut être toujours utile. Du coup t'auras un peu moins de mouvement speed, mais bon après voilà, c'est pas très grave. Mais j'ai une très bonne spear sur moi. À la limite, plus tard tu leur rejetteras une. J'ai besoin de 3 stuff, après je sais pas quelle est la meilleure seconde stat. Bah, comme je t'ai dit, il faut un petit peu d'énergie régène. Donc à la limite je peux te filer mon arme que tu peux voir ici, c'est à dire une arme 4 étoiles.
Contrairement aux autres, là, du fait qu'il y a quand même 4 étoiles, c'est assez rare à choper. Je monte un petit peu, je vais jusqu'à 35K pour cette spire qui est correcte. Hein, pour 35K, c'est vraiment correct. Ensuite, je pourrais te proposer de la face et du hat en mouvement speed. Donc, ici, à la limite, avec un hat, 20K le truc. La face, est-ce que j'ai une face en mouvement speed? Voilà, là, je m'en fous. Voilà, j'en ai une ici. Et voilà, donc 20K et 20K ça fait 40K et plus 35, 75K. 75K, tu te retrouves avec tout ce stuff et un stuff qui est à 744 de base et que tu risques de garder très 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 longtemps. Et une fois que tu seras vraiment optimisé, à la limite, tu pourras soit en avoir une nouvelle pour virer l'énergie régène. Voilà. Donc, pour 75K, je te propose tout ce stuff. Donc face et add basique en mouvement speed. Et ensuite de l'énergie régène sur la spire avec 4 étoiles, ce qui est assez rare. J'ai 72K. Ah! Bon bah essaye de vendre des trucs pour 3K, essaye des ressources, des trucs. Parce que là franchement c'est vraiment déjà un bon prix. Si t'as une sta Ah! Si tu veux une spire plus petite, bah après moi c'était pour toi hein. C'est pas. Moi je m'en fous d'avoir plus de flux, hein. Ça c'est ça le problème. Moi je te donne ça parce que c'est plus avantageux pour toi quoi. Sinon en spire, je peux te filer une spire en énergie régène. Je dois bien avoir ça quelque part. Voilà, j'en ai une là. Énergie régène ou mouvement speed. Mais tu risques de manquer un petit peu d'énergie régène. Donc à toi de voir. La spire à énergie régène ou pas énergie régène. Étant donné que le gameplay du Lunar, dans un premier temps, se joue en spammant la touche 1. Et c'est vraiment comme ça. Mais offre en or, no arnaque, no noob. Bah après moi voilà, c'est. Moi je vous donne des trucs en fonction de vos besoins. Après c'est un gain de temps. T'imagines, t'es pas obligé d'aller lui mettre la dernière étoile à la limite, toi, tu le gardes comme ça. Tu le full perle, parce que bon c'est toujours mieux de te full perler, mais. Mais après voilà quoi. Et limite peut-être en énergie. Je sais. Non, le revenant il a pas besoin d'énergie. Je sais jamais si le revenant il a besoin d'énergie. Attends, je vais voir. Non, il a pas besoin d'énergie, c'est bon. Limite j'aurais dit peut-être après sous le revenant, mais non. J'ai préféré vérifier avant de dire des bêtises. Mais bon, après, t'as que deux classes avec des spires, donc c'est un peu embêtant. Bon. Mais c'est vrai que de choper des trucs avec plusieurs étoiles, ça c'est rare. Hein. Ça c'est assez rare. Des 3 étoiles, j'essaye de revoir quand même le prix un peu à la hausse. Jusqu'à 2, 2 voire 3 étoiles selon l'item, je le fais partir à la. Au prix de classique. Mais au-dessus de 2, 3 quand même, c'est tellement rare que. Après, je peux regarder si j'ai un peu d'autres face et hat avec un peu plus de perles. À la limite, ça sera peut-être un peu plus bénéfique pour toi. Attends, je vais voir. Attaque speed, non. Hat mouvement speed sans rien. Add critical damage, face attack speed, add critical damage, mouvement speed avec une perle. Critical damage, non. Critical damage, face mouvement speed avec une perle. Ça tombe souvent avec une seule perle. Après j'ai des critical damage en seconde stat, mais ça c'est déjà un peu plus cher et là tu pourras plus du coup. Mais la quatrième, le critical damage, tu peux le récupérer en quatrième stab, donc. Moi, je finis ce donjon, je continue de regarder après.
font chier ces abeilles. Bon bah j'ai eu un Stella encore. Je crois que c'est doit être celui-là. Ouais c'est celui-là, une Spear Attack Speed. Pour ça je vais pouvoir déjà Daze aussi en plein de forme. Alors j'étais arrêté à bout à peu près ici, mouvement speed, voilà. Ah, mouvement speed, une perle encore une fois, tu vois, c'est assez fréquent les une perle. Hein. J'ai un hot movement speed 2 étoiles à la limite, voilà, ça je peux te préconiser. Je monte pas le prix pour autant. Voilà. Bon bah voilà. Voilà, t'auras gagné un peu plus de PR du coup avec 2 étoiles sur le hot. Voilà, c'est tout ce que j'ai de meilleur sur moi pour le moment. Donc si t'arrives à me ramener 75k, t'as encore du meilleur stuff que tout à l'heure du coup. C'est encore une meilleure offre du coup. Mettre une étoile ça va encore, c'est pas trop cher. Bah c'est 10k, mettre une étoile c'est 10k minimum hein, dans tous les cas donc... J'en ai 15 à mettre sur mon lunaire. Blah. Ouais, mais bon. Après, les perles sont moins chères maintenant, il me semble. Merde, pourquoi je regarde ça, moi? Sur 7K, 7500, bah, elles ont descendu un petit peu. Bah, c'était vraiment descendu, je sais plus quand, là, mais... Je les avais vues à 4K. J'ai halluciné. Je te remercie, j'ai mis deux trucs à vendre et ça, si que ça parte, merci. Ok, d'accord. Bah, y a pas de souci, Raichot. Y a pas de souci. En tout cas, soyez la bienvenue, les amis. N'hésitez pas à discuter, à poser des questions, même encore follow, ça fait plaisir. Ça fait déjà une heure. J'ai vraiment l'impression que ça fait 10 minutes pour moi. Ça fait déjà une heure qu'on a commencé à streamer. On a perdu 4-5 minutes au début. Hein. Ça, c'est à cause de bah, du Twitch. Qui a complètement coupé l'émission du signal au niveau de OBS. Parce que j'avais tout à côté encore, hein, j'avais encore internet et tout. C'était vraiment un zéro pointé, le carré était en rouge et nique ta mère quoi, c'est... Je vais essayer de regrouper tous les stellars quand même parce que là du coup c'est un peu chiant. Sauf à lui, je vais laisser dans le petit coin. Et ça monte vite hein. Je sais pas si vous vous rendez compte mais j'étais qu'à là, à la quatrième ligne. Voilà, depuis hier midi, voilà. Tout ça, tac, déjà deuxième ligne de là. Et encore, je lui ai mis ça de côté, mais on serait déjà quasiment une ligne complète encore. C'est... Est-ce que c'est encore vraiment jouable à ce niveau-là? Je sais même pas. C'est... Je vais devoir... Sérieusement, hein, j'aime pas faire ça, mais je vais finir par brader les stéars soul, hein, je vais... Je vais casser tout le marché, je vais mettre tout à 10k hein. Sérieusement. Parce que ça va faire 3 jours que j'essaye de les vendre à 11 200 et ils partent pas. Voilà, ça devrait partir, je suis les premiers dans la liste. 11 293, j'ai 93 de moins là, c'est bon, je vais pas les mettre à 10k pour autant. A la limite si je les mets à 10k, c'est peut-être un gars qui veut que les siennes partent, alors du coup il serait prêt à me les acheter. C'est dégueulasse. Je vais pas faire ça moi. Mais bon, j'aimerais bien récupérer un peu de flux aussi quelque part. Parce que là, au bout d'un moment, il va falloir que je refasse mes méga tanks, un de ces quatre. Que je commence à refaire mes méga tanks. Parce que je compte bien finaliser cette
cette mage en ayant récupéré la totalité des flux que j'ai dépensé pour celle-ci. C'était un objectif que je m'étais fixé dès le début. Donc si je j'ai pas moyen de vendre des choses que je farme, va falloir que je trouve une autre manière de faire quoi. Donc des minerais, je sais pas, quelque chose, mais pas du farm de donjon quoi, ça servira pas à grand chose. Bon, à part les artefacts, hein, toujours, mais bon, est-ce que ça serait rentable? Après, même la Cinnabar, ils ont couillé là. Dans la mise à jour, la Cinnabar se retrouvera dans les Miner Troves. Voilà. Donc voilà, celui-là qui ne voudra pas limite farmer de la Cinnabar, il achètera des Miner Troves et c'est bon. Et ils auraient dû attendre encore. Parce qu'il y a un marché sur le Cinnabar puisque c'est un nouveau minerai, tu vois. Mais non, il est foutu dans les Miner Troves. C'est soit tu le fais dès le début, soit tu le fais un petit peu plus tard, quoi. Pas tout de suite, quoi. Je me suis récolté un petit jardin hier, je me suis fait 7k de Steedfeed. Ah bah oui. Sans un Steedfeed, ça se vend bien en général. Hein. Vu toutes les montures que tu peux faire avec. Bah oui, on sait, bah oui. Le patch arrive au moment où je finis mon live, donc ça tombe à pic. C'était prévu, hein, donc vous inquiétez pas, c'était prévu qu'à 16h j'arrête, de toute façon on pourra pas faire de. On pourra pas faire de rajout. C'est 16h et bim, pasta fini quoi, c'est. Ah, j'espère qu'il arrivera à vendre ce qu'il a à vendre, rajout. C'est un peu comme si je viendrais ça au marché comme un agriculteur. Bah c'est un peu ça. Oui. Et Chino il est agriculteur aussi. Il est. Ouais Chino. Bon bientôt le 516 je pense, peut-être aujourd'hui. Si je craque là j'achèterai peut-être des trucs encore. Qu'on a fini la boutique aussi, on n'a plus rien acheté en crédit dans la boutique. Donc il va falloir de temps en temps quand même que j'achète des crédits push pour juste le patron. Mais voilà. Pour le moment, on n'a pas besoin de se focaliser sur la boutique, comme mis à part pour les offres flash, il y a des offres flash, et puis voilà, c'est tout. Quoi. Un petit bidding. €9000, les 500 kilos de navets roses. Des navets roses. Je suis navré, mais vos navets ne sont pas comestibles. Là. En tout cas, soyez bienvenus les amis, n'hésitez pas à discuter, à poser des questions ou même encore follow, ça fait toujours plaisir. S'il y a suffisamment de gens dans le chat pour participer à un petit giveaway, faites du bruit que je prépare ça avant la fermeture du serveur, ça serait cool un petit giveaway. Vous en pensez quoi? Ce serait cool, non? Donc sachez qu'il y aura peut-être des streams en décembre, le dimanche, peut-être. Pour la peine, bah, il y aura 2 jours de repos dans la semaine, contrairement à ça. Donc on rattrape le dimanche, mais voilà. Donc le mois de décembre risque d'être assez mouvementé, voilà. Bruit, d'accord, no personne. Donc ça suffit à faire un giveaway, hein, ceci dit, donc du coup... je vais activer le système à deux petits giveaway. Nightbot, voilà, dashboard. Et comme d'habitude pendant une saison, la commande sera la suivante. Point d'exclamation, pénis. Non, point d'exclamation, S3 évidemment. Tout
Suite, tout de suite, tout de suite. Je suis sûr que t'étais déjà prêt à marquer pénalty, j'en suis sûr. Donc je fais le tirage à 20, les amis, dans un quart d'heure. Allez, c'est parti. Mais c'est carrément un fossé, hein. Tu regardes un joueur lambda qui a pas forcément tous les dragons, qui vient de commencer le jeu, qui a allez, 800 de MF, et un mec qui est en fin de game, la différence elle est énorme. Hein. Moi je te peux te faire 1 million, 1,5 million limite si je tryhard hors de jour. Le petit joueur en limite lui te fait 200 000 en 3 jours, et encore. Il y a vraiment, vraiment un fossé quoi. Dans tous les jeux, il y a un fossé entre le petit joueur et le gros joueur. Mais là, il est colossal, quoi. J'ai pas dit coloscopie, hein, mais colossal. Ah, moi, je vous le dis, hein, je serais pas apte à refaire un compte, hein, c'est mort. Je viendrai me faire ban par X raison ou je ne sais quoi. Ne cherchez pas, hein, je refais pas de compte, hein. Vous me verrez peut-être encore sur Twitch, mais ça sera sur un autre jeu. Hein. Je me délocalise hein, direct. Hein. C'est un jeu que j'aurais apprécié énormément, mais je pourrais pas refaire la même chose. Quoi. Ça c'est pas infaisable, mais la motivation sera pas présente. Quoi. Mais si le petit joueur veut les petits. Ah bah j'étais petit joueur avant de devenir grand joueur. Et c'est surtout vieux joueur aussi surtout hein, qu'il faut tenir compte. Hein. C'est surtout dans ce jeu c'est être vieux joueur, le fait d'avoir été là depuis le début, il y a eu quand même pas mal de changements et tout ça, donc ça a plus rien à voir. Pendant un moment c'était facile d'avoir les Dragon Soul, par exemple les premiers dragons là, Dragon Ball machin, il suffisait de faire les challenges par heure et t'avais directement les Soul dans le. Dans les boîtes. Donc même pas besoin de les craft, pas besoin de Dragon Coin, rien du tout, hop. Tu les apprenais direct. Donc limite si tu faisais tous les challenges de je sais pas moi pendant 2 semaines je crois, un truc du genre, bah t'avais le dragon quoi. Et encore peut-être même moins, mais je sais plus trop exactement, mais voilà. Donc c'était assez simple à l'époque hein, d'avoir les dragons. Ce qui est un peu plus contraignant maintenant, ça reste assez simple quand même. Mais il faut farmer. Les gens qui n'aiment pas farmer n'ont plus de dragon, quoi. C'est simple. Ah, après, tu veux pas farmer, mais tu travailles, tu sors la CB. Ça marche aussi. Putain, mais les artefacts et tout, j'arrête pas d'en avoir là. Mais bon, après c'est pas parce que tu payes dans la boutique que t'es un bon joueur. Après c'est pas ça qui va t'acheter les gemmes. Là où on reconnaît vraiment un bon joueur, c'est le mec qui a vraiment les bonnes gemmes. Les bonnes gemmes, le bon DPS, tout ce qu'il faut là où il faut. Là déjà c'est autre chose. C'est qu'il a passé du temps. Ou pas. Parce que bon, limite, le mec il passe 10 minutes et il a la meilleure gemme du serveur d'un seul coup. Je sais pas moi, il chope une petite gemme à 595, bim, direct de base. Et qui proc très bien au niveau 5, 10, 15 sur les bons trucs. À des proc hallucinants, sa gemme elle est quasiment 1700 level 25. Le mec il a juste à faire 4 rolls. 4 rolls la gemme forge pour la up à 100% partout. Voilà, des mecs comme ça, bah, ça doit arriver hein. Des gemmes comme ça a dû arriver sur le serveur, même si c'est très rare. Voilà. Bon, la fois dernière, je me suis tapé une gemme à 574, qui est d'ailleurs sur mon perso ici présent, que j'ai pas monté. La gemme, elle est à 1664, quoi. Voilà, j'ai pas grand chose à faire pour la up, quoi. Mais ça m'était pas arrivé depuis un petit moment, quoi.
Ça m'était pas arrivé depuis un petit moment. Ouh, ça brûle. Plus que 10 minutes, les amis, pour participer à un petit giveaway de Dreamer Code. Mettez point d'exclamation S3 dans le chat pour participer. Je fais le tirage à 20. Avec le meilleur, un gorgne. Il y a du soleil, c'est kiffant là. non, je vais pas mourir, pas maintenant, il y a du soleil, merde. Mourir un jour de soleil, c'est vraiment du gâchis quand même. Donc il faut mieux mourir en automne, au printemps. Non, pas au printemps, il y a souvent du soleil au printemps. Ou en hiver. Et encore, non, certains soleils d'hiver est tellement agréable du fait qu'il fait vachement froid et que le ciel est bleu et il y a du soleil, je peux te dire que là aussi il peut être agréable le soleil en hiver. Donc du coup, qu'il n'y ait pas de soleil du tout quoi, c'est. Avant de mourir, j'irai faire mourir le soleil. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y en ait pas. Voilà. Égoïste ? Oui, j'assume. Par contre, là, le serveur, il fait de la merde. Là. Voilà, voilà. C'est bon ? Petit les gemmes sur ton lumière à 100% dans la gemme force, c'est un de tes objectifs. Étant donné que c'est mon perso de farm, oui. Une fois que j'aurai fini 100% mon perso de ST, qui est beaucoup plus important à mes yeux, du fait que c'est vraiment là où il faut de la puissance, où il faut le truc déjà pour être recruté, sinon t'es pas dans les groupes ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment sur le perso de ST qu'il faut vraiment maximiser. Là, mon perso farm, il est quasiment à 4 millions de coef, avec aucune gemme EP au maximum pour le moment, et avec je crois qu'il me manque des stats à un endroit, je sais plus où, mais voilà. Mais voilà, j'ai optimisé mes gemmes. Voilà, j'ai encore j'ai pas de critical hit, mais à la limite, c'est pas du critical hit que je vais essayer d'avoir sur cette gemme, ça serait stupide parce que bah, du coup, je suis déjà à 105, je serais à je ne sais combien, mais ça serait du maximum heal plutôt. Que pourcentage, et à la limite on va essayer de revoir au cas par cas chaque gemme, et au mieux après effectivement d'avoir tout à 100%. Mais là j'ai quasiment mon perso de full farm correct, et je pourrais facilement monter à 4-5 je pense de coef, je pense. Désolé, j'ai un petit SMSE. Donc, plus que 7 minutes, 6 minutes, pardon, pour participer au giveaway, les amis. J'étais en train de compter les minutes dans ma tête, mais oui, bon, c'est ça. Mais mon lunar, pas mon pirate, il a quasiment toutes ses gemmes. Déjà, il a toutes ses gemmes 25, ça c'est sûr. Mais je l'ai déjà bien goinfré, tu vois. Donc, d'ailleurs, il faudrait que je regarde ça. On va regarder ça si tu veux. Vite fait. Donc, jusque où je l'ai goinfré, je sais pas, mais on va regarder. Voilà, bon bah je les one shot, ok, d'accord. Bon bah c'est là où tu vois les... Hop, je suis pas encore 4 millions, quasiment. Mais je pense que si je passe à 100% de critical hit, qui risque d'arriver assez rapidement... Voilà. Après, il me reste encore les tokens à acheter, là, j'attends la fin du mois, vraiment. Tu vois, je suis pas à cheval là-dessus. Mais voilà, pour ce mois-ci, au lieu d'acheter ce putain de gros coffre qui sert à rien... Je vais attendre encore 2 jours ou 3, 2 jours, et je pourrai acheter 21 petites. Et dans les petites, je pourrais avoir des boons brillance. Donc, et à la limite, peut-être si je suis vachement chanceux, je peux aussi avoir le gros coffre alors que j'en veux pas. Donc, et là-dedans, il y a quand même 25 boons brillance. Donc, quelque part, ça serait quand même tout bénef. Donc, étant donné que dans les 21, je pourrais avoir 10.
je pourrais avoir 210 boules brillance par chance. Alors que si j'achète ça qui coûte que 18, je n'en ai que 25. Voilà. Donc je préfère tenter ma chance pour essayer d'avoir plus que 25. Et au mieux avoir 210. Mais bon, là, faudrait vraiment être... voilà. Donc là, c'est pour d'ici quelques jours. Étant donné que j'en ai encore sur moi des boules brillance. Si je dis pas de bêtises. J'en ai 28 sur moi. Donc voilà, j'ai quand même 28 essais encore sur moi, qui pourraient déjà être pas mal pour finir quasiment mon pirate. Je vais enlever vite fait ma cam pour que vous puissiez voir. Attendez, je réponds vite fait au petit ce monsieur. Dans 4 minutes les amis. Alors, ma grosse bleue, il faut... Eh, c'est énorme, hein. Je sais pas combien je vais avoir de critical à la fin, mais ça va être énorme. Le fait qu'elle a double proc sur critical hit, si c'est la seule, c'est pas très gênant. Vraiment. C'est vraiment pas très gênant. Du coup, est-ce que c'est mieux d'avoir le proc sur Magical ou Critical Damage? Faudra que je vois ça à long terme. Après, je pourrais faire un... voilà. Mais bon, là, il reste que quelques coups sur Magical. Ça va, ça passe. Celle-ci, elle est full. Une proc Magical Damage, deux proc Critical Damage, elle est full. Celle-ci, elle est full. Voilà. Celle-ci, elle est bientôt full. Et j'ai pas de critical hit sur celle-ci, donc du coup voilà, ça me montait encore un peu en vie. Donc c'est pour ça que je suis déjà à 400 000 de vie, c'est que j'avais déjà des stats prévues et qu'elles soient encore montées. Celle-ci est quasiment full, il me manque 7% critical hit qui va me donner 0,1 en pourcentage de critical hit. C'est pas énorme, mais il va falloir que je la monte quand même. La grosse jaune est quasiment full aussi. Donc voilà, encore de la vie, un peu de critical. La rouge. Ah, là, la rouge, voilà, c'est une des nouvelles que j'ai refaites, je pense. Ouais, c'est une des que j'ai refaites. Elle est quand même à 1641, donc c'est déjà pas mal. Donc le critical, je vais encore prendre. Là, 75, là aussi. Je vais prendre 0,02 au critical hit. Donc le critical hit qui me manque, il est pas loin. Je vais grappiller comme ça petit à petit, puis on va avoir un bon le bâtiment ensuite. Voilà. Là, elle a proqué une fois sur le critical hit, c'est pas très grave. Donc après, à savoir si j'ai trop de critical damage ou pas assez de magical damage, il faudra que je joue avec les stats au mieux. Et ça sera pour plus tard. Même si c'est une petite, je m'amuserai à le faire. Parce que voilà, les stats là, 85, 89 et 64, voilà. Et au mieux, il faudra que je change ma classe gemme. C'est pour ça que j'ai pas encore trop touché. Elle est 78, 78, 69. C'est qu'elle a croqué une fois partout. Et il va falloir que j'essaie d'en choper une 3 étoiles. Et obligatoirement rouge. Donc là, ça pose un peu plus de problèmes. Parce que des gemmes Epilogue Explosif et la Sticking Curse, j'en ai pas d'autres. Donc faut vraiment que la classe gemme soit rouge. Donc il va falloir vraiment que je retombe là-dessus. Voilà. Donc voilà, donc je pense qu'avec un bon 200 boon brillance, on pourrait déjà bien avancer sur le pirate. Après je peux tout full et faire les schmilblick de stats après. Les stats, elles sont là. Les stats sont là. Donc après c'est pas trop un problème au niveau... Enfin, dans un premier temps, c'est pas trop un problème pour la classe gemme, puisque je pourrais très bien la chercher à peu près quand je veux, je pense. Puisqu'actuellement, je pense que je peux même encore crafter une classe. Voilà, je peux encore crafter une classe de gemme. Je peux même crafter une Stellar en pot. Allez hop, on va le faire. Tant qu'à faire, hein. On va voir ce qu'il y a dedans. Voilà, Cubit Curtain, une étoile. Dommage. Donc on va descendre ça direct. J'ai les sous mon petit Lorian. Ok.
Je t'invite. Rai shoot. Ah, faut que tu changes de personnage parce que là, si t'as pas d'Handicapper, est-ce que t'as un personnage Handicapper par contre? Parce que sinon, il va vraiment falloir que je me déplace et ben, je le ferai en fin de stream quoi. Bon, je mets ma clé de côté, donc je pourrais essayer de faire 71 essais pour trouver la bonne classe gemme rouge 3 étoiles. 3 étoiles et après qu'elle proc 2 et 1. Donc c'est un peu scabreux quand même. Mais bon, il faudra que je le fasse. Un de ces quatre, je prendrai peut-être 10 clés, j'irai en chercher une. Enfin, j'essaierai de faire quelque chose avec quoi, tu vois. Dès que j'ai déjà mon 15 jours patron D pour après ça. Enfin, moi je vais réinviter. Apparemment, c'est bon. Et après, je fais le tirage, les amis. Donc, il y a encore une petite minute vite fait là pour participer. Et après, je fais le tirage et que le meilleur gagne. Et moi, il me faut une jaune de classe gemme pour le pirate. La jaune, c'est apparemment, c'est ce qui tombe le plus en général. La rouge, franchement, je sais pas comment j'ai fait pour la choper, mais. Parce qu'en plus, il faut qu'elle soit à 3 étoiles avec les bonnes stats. À la limite, si elle a pas de critical hit, j'essaierai de le récupérer ailleurs. Voilà, enjoy. Amuse-toi bien avec ce petit stuff que je t'ai arnaqué, bien sûr. Ça coûtait pas ce prix là. J'ai fait des sous, j'ai fait des sous. Non, bien sûr que t'as acheté vraiment à un prix vraiment vraiment correct. Il y en a qui me talonne au classement XP Club. Pourquoi tu dis ça? Je sais même pas où t'es. Est-ce que j'étais en ami déjà? J'étais même pas en ami. Il va falloir que je te cherche là-dedans quoi. Donc si vous voulez donner des clubs dans le club, donnez-les après la mage les amis, comme ça ça pourra permettre de voir si la mage corrige effectivement le full club hit ou pas du tout. J'espère, comme ça au moins il n'y aura plus d'excuses pour les gens qui disent ouais mais c'est parce que je dis à tout donner, il y a le bug là, tu sais, quand tu mets tout ça s'affiche pas. On me l'a sorti déjà deux fois ça. C'est ouf quoi. Ah merde, le tirage, merde. Désolé. Mais qu'est-ce qu'il fait le chat? Qu'est-ce que tu fais? Il tourne sa tête comme ça? Il est sur son arbre à chat, il tourne comme ça? Comme ça? Il donne des pattes, des coups de pattes dans le vide, mais y'a rien. Avec quoi tu joues? Dans le vide, hein. Il est en haut de son arbre à chat, donc facilement à quasiment un mètre de hauteur, toi. Hein. Bref, on s'en fout. Donc, qui est le heureux gagnant ou heureuse gagnante de ce 28 novembre 2017? Roulement de tambour. The Thibaut Official Gaming, GG à toi. Tu as 2 minutes pour parler dans le chat, sinon, tant pis. Tu m'as pas dans ta liste d'amis, MDR? Quoi, aussi? Bah bien sûr que aussi, j'étais dans ma liste d'amis, Thibaut. Chino, pardon. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Ah bah, c'est toi qui avais gagné l'autre jour, déjà. Bah, GG, il a regagné. Le mec, il cheat. Le mec, il cheat, je te dis. Aouh!
I feel good. Oh, non, 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 so good. Désolé. Ah, c'est parti mon kiki. Dans la messagerie de Twitch comme d'habitude. Si tu l'as, mais tu l'as pas... Ouais, mais en même temps, je suis un miro, hein. Je cherche pas, je suis aveugle. Oui, tant que c'est pas un stellar, je vois rien. Y'a que le stellar que je vois dans la vie. Quand je sors dehors pour aller faire mes courses, comme hier, là, d'ailleurs. C'était faire mes courses hier. J'ai cherché des stellars, mais je l'ai pas trouvé. Donc je sais pas si j'en fais un deuxième étant donné qu'il faut être assez restreint pour ne pas trop taper dedans. Donc je sais pas. Ah ça y est, le Black Friday est fini, l'offre ils l'ont mise à 102, à 100 euros. Voilà. D'ailleurs je pense qu'ils ont dû rembourser les gens qui l'ont acheté à 99 euros dès qu'ils l'ont mis, puisque le lendemain ils l'ont mis à 30 euros. Donc du coup c'est vraiment de l'arnaque en fait. Tu mets pas une offre à son prix initial avant de la brader, tu la brades avant de la remettre à son prix initial. Je sais pas, mais donc du coup il y a des mecs qui se sont fait niquer, c'est obligé. Parce qu'il y a des mecs qui ont vu ça, ils font oh putain c'est nickel et puis. Vous voulez que je refasse un petit tirage, les amis? Ready. Un deuxième petit tirage. Ouais, moi je vais en faire un petit thé là parce que j'ai envie. Voilà, j'essaie de pas trop abuser non plus. On lit pas non, tu auras plus de code après. Ah bah, c'est plus pour vous hein. Qu'il soit donné maintenant ou après, est-ce vraiment un problème? J'entends des bruits chelous chez moi, c'est hallucinant. Donc il y a des chances que ce soir je refasse de l'aventurine encore. S'il y a des gens qui seront présents. Enfin, pas les gens qui sont full évidemment, je vois pas l'intérêt qu'ils fassent ça, mais bon. Faire ça tout seul ça va être chiant. Mais bon. J'allais pas vous proposer ce gameplay en plein stream. Déjà que je cautionne pas du tout cette technique. En plus de la streamer, non, faut pas abuser. Je suis pas fou à ce point-là. Propose quand même un minimum de gameplay, c'est-à-dire en due forme. Je me fais détruire en 8, j'en peux plus. Bah déjà, il faut déjà l'emblème en 8. Il faut l'emblème martial, emblème si t'as des dégâts physiques, si tu l'as pas. Et ensuite, il faut la défaing. La potion qui s'utilise automatiquement quand tu te prends des coups mortels. Comme ça, tant que t'as des popos, t'es invincible. Et après, c'est pas parce que t'as, on va dire, je sais pas c'est combien en... C'est pas parce que t'as 5000 ou 5600 de PR en 8 que tu vas y arriver. Tu peux commencer à gérer solo en 8, on va dire, je pense, proportionnellement avec 8K, 7-8K de PR. Donc oui, je sais, il faut 5000 pour pouvoir rentrer, mais tu gères seulement à partir de 7-8000. C'est comme ça. Et encore, il faut les bons emblèmes, sinon tu fais que dalle. Et des bonnes gemmes. Parce que si t'as que de la vie, ça sert à rien. Mais bon. Bon allez, dans un quart d'heure, on va faire le tirage, les amis, à 45. Quand il y aura le message jaune, comme on vient de voir là, on fera le tirage. Attendez, j'ai un petit SMS.
Je sais pas pourquoi il a encore marqué merci, mais pourquoi tu dis merci, Try Shoot? Oh là là là, je commence à avoir trouble, j'ai un peu faim, je pense. Je vais faire une syncope pour plein live, tu vois. Blah. Je pensais faire un live après, enfin live IRL après le... là, mais je pense pas. Plutôt me mettre au soleil, là, je vais aller griller au soleil. Ce sera très bien. Puisque la mage risque de durer 3 heures, même si je pense qu'elle ne durera pas 3 heures. J'arrive pas. Enfin. Ouh. J'ai bien cru que j'y arriverais jamais. Putain, mais les rollbacks aussi, merde. Bon, j'ai fini mes yeux. Enfin, j'ai fini le livre des yeux, pardon. Donc ça, j'ai fini. Il me reste plus que le livre des grosses bombes et après on pourra remettre un livre. Donc je sais pas quoi mettre en tant que quoi comme livre. Je sais pas qu'est-ce qui est rentable. Je pense que je mettrai celui-là des flux. Au moins ça fera des flux directs. Moi, on se posera pas la question de comment se faire des flux grâce à ce qu'on gagne, quoi. Du coup, les Stellar Souls sont toujours pas partis alors que j'étais censé. Putain, mais 11K. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Les Stellar Souls ne partent plus. À quoi ça sert de donner autant de Stellar si ça part plus hein? Je vais mettre à 5K. Allez. Ça va partir là, 5K. On s'en fout. Allez, on nique tout. Nique le marché, on nique tout. Ah, si je mets à 5K, c'est évident qu'il y a quelqu'un qui va me les acheter. Il va dire, oh, quel boulet, ça 10K, il est bien à 5K. Ouais, sauf qu'à 10K, ça part pas. Pff. Je veux bien être patient, mais quand ça fait 2 jours que t'essayes de vendre tes... Les robotiques, tu dis? Pourquoi les robotiques? Tu les vends en unité ou tu les vends par pack? Ça fait 20... 20 à l'unité quoi. Par pack. Je sais pas quel prix mettre. Hein. Si jamais j'en vends, je sais pas du tout à quel prix mettre. J'ai combien de robotique? J'ai 20K de robotique. Bon, je sais pas du tout. Ah oui, du coup je fais 200 flux de plus. On va essayer à 23. Si ça marche par 15 à la limite, on va les vendre par 15. Ça va être long mais... D'accord. Qu'est-ce qu'il peut demander autant de robotique si ça part aussi vite du coup? Ça se vend pas les yeux? Parce que les yeux, je suis à combien? Je suis à 468 000 d'œil.
Ah ouais, d'accord. Ben là, j'essaie d'en mettre 15 à 23 pour voir si ça part bien, parce que quasiment toute la page, j'ai à 23, mis à part quelques offres. Là, tu vois, ça part pas trop, là. Il y a une offre là, une offre là. C'est pas parti, ça. Je suis sûr que c'est tes offres à toi, ça. Ça, là. Les 600 et les 10K, là. Bon allez, plus que 10 minutes les amis, enfin 12 minutes pour être exact, pour participer au giveaway les amis. Donc point d'exclamation S3 dans le chat pour pouvoir gagner un petit Dreamer Code. Non, j'en ai pas en vente actuellement. Ah, bon, j'aurais cru. J'aurais cru. Ah merde, mon Darjeeling. Je l'ai complètement zappé. Bon bah il serait un peu plus fort celui-là. Je sais pas combien, depuis combien de temps je l'ai laissé là-dedans. Mais... crafter les ailes néons. Bah, elles se vendent ces ailes, non? Je sais plus comment il s'appelle le truc, mais bon. T'as la fille néon, il coûte plus cher du tout. Je me souviens quand j'avais chopé l'œuf, je l'ai vendu 800K, s'il te plaît. J'étais bien. Là, je viens de voir la fille néon à 250K et encore, je crois que c'est la plus chère des offres. Salut Lubistos, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Bon mardi, du coup, et que tu vas bien. Tu as passé la page, c'est l'avant-dernière page. Ah, eh, je t'ai dit, hein, je suis Miro. Ah ouais, là, 75K à peu près. Ouais. Bah nickel alors, si tu veux bien, je vais bien. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette voix. Ah c'est chaud, hein? Ah c'est vachement chaud par contre, je sais pas qui... Ah oui, je l'ai mis à 95 degrés, je comprends mieux. C'est 5 degrés trop pour monter, mais bon, c'est pas grave. C'est pas très très grave. Tu formes quoi de beau? Ben là j'ai une dose de feu comme d'hab, depuis une petite semaine de temps en temps je fais ça pour dire d'en récupérer. C'est la dose que j'ai de moins. Enfin quand je te dis de moins, je suis pas en rade non plus quoi, hein, mais vu que c'est la seule dose où j'ai pas encore le livre puisqu'ils l'ont mis beaucoup trop loin, ben voilà en plus de ça. Donc je suis à 320 000 de dose tu vois, donc après limite un de ces quatre faudra aussi que je retourne dans l'eau, voilà un peu partout quoi. Allez les amis, plus que 5 minutes pour participer au giveaway, point d'exclamation S3, il faut être follow pour bien sûr pour pouvoir gagner le giveaway. Et encore je vais à Thibaut qui a gagné le premier code. Sauf ça va refroidir. Ouais, bon, je suis pas sûr. Je préfère attendre un petit peu et puis voilà. Salut Black Shadow 1212, il y a quoi à gagner? Un petit Dreamer Code. Hein. Je crois que je l'ai dit juste au moment où tu t'es posé la question, je crois donc. Donc, soyez la bienvenue en tout cas, n'hésitez pas à discuter, à poser des questions, ça fait toujours plaisir aussi. Donc là, d'ici un gros quart d'heure, on va 20 minutes, quoi. Du coup, un gros quart d'heure, c'est 20 minutes. Bah oui. Il y a la mise à jour, et donc du coup, on s'arrêtera là. Hein. De toute façon, ça fera 2 heures que je stream, donc comme à mes habitudes, on stream 2 heures. Et on se retrouvera demain après-midi, certainement de 17h30 à 19h30, contrairement à aujourd'hui. Puisque c'est à cause de la mage.
En sachant qu'elle risque de durer 3 heures, je ne savais pas quand est-ce que j'aurais pu reprendre, donc le mieux c'est de faire avant. Et on a un petit Stella, ça fait plaisir, une petite Spire Mouvement Speed, ça c'est nickel. Ça se vend 20k. Donc s'il y a des gens qui cherchent du stuff Stellar d'ailleurs, sachez que je fais quasiment tout le Stellar à 20k, sauf le Critical Damage en second stat, 25k. Donc voilà, on en profite, on fait un petit peu de pub, hein, tant qu'à faire. Si ça peut faire profiter des gens de faire des stars pas trop chers, au lieu de galérer à chercher partout, vous avez une banque à Stella, profitez-en. J'aime bien ton seed en tous les cas. Ouais bah mon seed, même s'il est pas trop ouf mon seed, je chope. Tout à l'heure j'ai eu un seed de ouf quand je faisais un peu de ST, j'ai chopé 7 Stella en 2 ST. Voilà, ça c'était un seed de ouf. Ah c'est sûr qu'après généralement après les patchs c'est sûr que ça lag un peu. Étant donné que ça sera les heures de pointe aussi, s'il rallume le serveur vers 19-20h, c'est les heures les plus actives sur Trove en général. Parce que les Américains se reconnectent et tout, ils ont fini de faire dodo, enfin je sais pas, ils ont fini de se toucher, j'en sais rien mais. C'est les heures d'influence quoi. On dirait musique de MacGyver. Vous avez connu vous MacGyver? Allez, dans 2 minutes c'est le tirage les amis. Point d'exclamation S3 pour participer. Voilà. Les enfants rentrent de l'école, ils ont fini leurs devoirs. Ils ont plus de devoirs maintenant, c'est limite de la torture si tu donnes des devoirs à un être humain, tu sais. Moi avec 800 de MF, un patron passe de 15 jours, je loot pas un seul Stellar ni de radio, ne dis pas qu'il faut au moins un K quand même. Non, tu peux choper du Stellar même avec le plus petit MF possible. Il faut savoir que le MF transforme seulement le petit stuff, on va dire du Shadow par exemple Shadow 2 en Shadow 3. Le Magic Find ça fait que faire proquer plus souvent la transformation. Donc le fait d'avoir beaucoup de Magic Find ça fait beaucoup de transformation. Mais si t'es dans un site de chance pourri, ça va beaucoup transformer des petits objets de merde en qualité légèrement supérieure. Donc après, c'est vrai que quand t'en as beaucoup plus, ça aide. Mais tu peux, si t'es le plus chanceux ou t'as de la chance à fond, même avec 70 ou 100 de Magic Fang, dans la logique des choses, dans cette optique, tu pourrais avoir du Stellar, voire même du Ranger. J'ai eu mon premier Stellar à 70 de MF, hein, sachez-le. C'était mon seul, après j'en ai plus chopé pendant je ne sais combien de temps le temps que mon Magic Fang monte, mais ça veut dire qu'à ce moment-là j'avais une putain de moule et voilà. Après ça veut pas dire que ça peut arriver, hein. C'est vraiment. Bon là ça arrive de moins en moins, mais en même temps avec le Magic Fang que j'ai actuellement, c'est plus de la chance qu'il faut, c'est vraiment beaucoup 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 de Magic Fang. En fait si tu veux, ça transforme tellement souvent quand t'as beaucoup de Magic Fang que c'est même plus une question de chance. En fait, la chance n'a quasiment plus rien à voir. Donc voilà, il y a le petit message zone. Donc ça veut dire pour moi que je fais le giveaway, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc le deuxième gagnant de ce 28 novembre 2017 est... Roulement de tambour. Ray Shoot, tu as 2 minutes pour parler dans le chat et je t'enverrai ça dans la messagerie de Twitch. GG à toi. Je t'envoie ça immédiatement. Voilà, il n'y en aura plus pour aujourd'hui. Il faut en garder un petit peu pour la fin du mois et surtout le mois de décembre, étant donné qu'on ne sait pas si on va en avoir d'autres. Ils en donnent de moins en moins des codes. Donc moi, j'aime bien vous faire gagner, mais le problème, c'est si j'en fais gagner trop d'un coup, tout le reste du mois après, il n'y en a plus. Donc c'est con, tu vois. Donc 1-2 grand max par jour, par jour. Des fois, il n'y en aura pas. Donc. Après, c'est moi qui décide, donc du coup, ça m'arrange. J'ai utilisé de la technique de la paye du stuff, les gars. Mais non, c'est pas parce que tu m'as acheté du Stellar que t'as gagné un code, hein, non. Ça n'a rien à voir.
Pas parce que tu m'as acheté du Stellar que tu gagnes quelque chose. C'est complètement random aussi, hein, le... Donc en gros, moi, tout à l'heure, j'étais vraiment dans un putain de site... En fait, faut parler de site de chance. Si, par exemple, malgré que t'as pas beaucoup de Magic Fang, qu'en temps normal, tu t'arrives à choper jusqu'à du Shadow 3, et que t'en chopes souvent, c'est que, inconsciemment, tu peux te dire « Ah, je suis dans un bon site. » Parce qu'effectivement, c'est dur avec très peu de Magic Fang de le choper. Mais tu pourrais, dans la logique des choses. Mais si tu vois que tu chopes que du légendaire, du resplendissant et de l'épique, tu sais que t'es dans un site de merde, et le seul moyen de quitter ce site, soit c'est de partir, de revenir de temps en temps, soit de continuer à forme jusqu'à temps qu'il change, et le site de chance, il peut changer à peu près, j'ai l'impression qu'il change quasiment tous les 10 minutes. Hein. Donc bon, je sais pas si c'est... on peut parler en niveau de... en temps de forme ou quoi que ce soit, je sais pas, mais voilà. Je sais que généralement, quand j'ai un site de chance, c'est pendant les 10 minutes qui suivent, tu vois, à peu près. Giveaway de Stellar. Jamais, jamais je ferai de giveaway de Stellar, tout simplement parce qu'il n'est pas marqué banque sur ma tête. Je ne sais pas ce que vous allez faire de ce Stellar, si c'est pour vous le revendre ou quoi que ce soit. Moi, je préfère le vendre, que vous jouiez au jeu pour gagner ce flux. Oh, ça sera déjà plus gratifiant pour vous. Même si moi, je vous fais des ristournes de ouf sur le Stellar. Par rapport au Stellar actuel, quoi. Je préfère faire des restournes plutôt que vous me donnez un peu d'argent plutôt que de le donner gratos. Parce que après, voilà, il y a des gens qui vont m'apprécier, il y a des gens qui vont me follow, il y a des gens qui vont me sucer la bite, bordel de merde, pour avoir des Stellar en giveaway. Tu t'y attendais pas, celle-là. Putain, mais il est fou ce mec, mais il est fou. Enfin voilà. Après, je vous demande pas de comprendre ma vision des choses. Vous comprenez pas, c'est pas grave. Mais sachez qu'il y aura jamais de Stellar sur la chaîne. Je ferai jamais de don de. Ah. Ok. Bon. Hey, me dis pas qu'il m'a kické de mon world feu, hein. S'il te plaît, hein. Je veux rester dans mon world feu, moi. C'est le suçage de bite qui t'a fait. Non, c'est bon, je suis dans mon world. Ouf, j'ai eu peur. Je suis quasiment tout seul. Bon, j'ai vendu un Stellar. Soul, c'est cool. Tu peux me MP acheter. Tu peux me MP IG pour acheter du Stellar. Tu peux m'ajouter, c'est LORGAN. Ou sinon, tu fais point d'exclamation IGN et t'auras mon pseudo. Voilà. De toute façon, là, je vais pas tarder à arrêter puisque je ne pourrai pas jouer plus. Étant donné que le serveur va nous couper au nez pour la mise à jour d'aujourd'hui. Bon bah voilà, là je sais que je suis dans un bon seed, je viens d'avoir un quand même Stellar. Donc. Mais c'est pas très... Avec autant de MF, c'est pas vrai. C'est plus vrai ce que j'ai dit. Bon, j'ai tellement de transformations possibles que je pourrais même être dans un seed moyen et je pourrais choper du Stellar tellement que j'ai 2 MF. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est compliqué, à partir du moment où tu commences à avoir beaucoup de MF, même le site de chance n'a plus rien à voir. Limite, si on continue à augmenter en MF, je vais te dire, on arrivera peut-être dans les 7000, même dans les seeds pourris, on pourra avoir du Stellar. Donc là, par contre, ça pue du cul, hein. Ça voudra dire que le Stellar est 200 flux, voilà, 200 flux, un petit Stellar, dans la logique des choses. Après, voilà, après faut comprendre bien sûr le fonctionnement du MF, mais voilà. Je t'ai déjà add, c'est juste au cas où. Ah d'accord, bon bah écoute, si tu m'as déjà add, c'est que je t'ai déjà, tout simplement. Bon bah du Stellar Soul, merci, cool. Bon bah les robotiques ne partent pas, j'ai dû mettre un peu trop cher, je les récupère, merci. D'ailleurs, il faut que je change mon livre, je vais remettre le soleil des robotiques du coup. Le cybernétique, voilà. On va pas trop tarder parce que le temps... Voilà, on va aller en ville, enfin dans mon club. Je voulais garder le monde, mais c'est vrai qu'il y a la mage et tout. Là, il va falloir que j'ouvre mes boîtes. Tu vas voir, j'ai peut-être farmé pour de la gemme d'ost. Et tu vas voir, je vais me choper une gemme qui va me tenter et que je vais me sentir obligé de monter. Tu vois. J'en suis sûr, la fois dernière, c'est ce qui s'est passé. Allez, on fait le dernier donjon qui est juste à côté. Qui est logiquement là, voilà. Et...
Donc le Mistos, il faudrait que tu me dises quel type de stellar tu aimerais, soit critical damage ou autre stats. Faut que tu me dises. Bah, le mieux c'est que tu me dises ta classe. Je sais ce qu'il faut. Après si tu me dis c'est pas ce qu'il te faut, ben écoute, tant pis pour toi. Ouais, si tu veux jouer à la MacGyver, c'est ton choix. Hein. Après, je force personne à jouer comme moi, mais il y a quand même un minimum de stats. J'avais dit que c'était le dernier, mais finalement il y en a encore un. Ouais, mais quoi tu joues toi là-bas? Je te vois jouer avec un truc, mais qu'est-ce que c'est? Bah putain, tu fais autant de bruit et tout pour jouer avec un paquet de mouchoirs, bah bravo! Le mec, malgré qu'il a plus de couilles, il a encore arrivé à utiliser des Kleenex. Eh ben, j'adore mon chat. Non, c'est parce que c'est le plastique, c'est le bruit du plastique, c'est le... Il kiffe. Voilà, on va au club. Donc le club est niveau 6 les amis, c'est super, nous l'avons passé niveau 6, ça nous prendra actuellement avec le nombre de personnes qui est dans le club 6 jours pour monter niveau 7, donc on aura largement le temps de monter tous les bâtiments et d'avancer du coup, parce que là on a vraiment speedé et du coup on s'est rabattu plutôt sur le marché pour pouvoir bénéficier de plus de clubbit pour le club. Donc du coup c'était la meilleure stratégie à aborder pour avoir plus de clubbit pour le club. Je te dirai à l'occasion, je dois modifier mon PC avant. D'accord, bon bah y a pas de souci. En espérant qu'ils font pas un patch note et que j'ai plus de stellar parce que du coup bah je pourrais plus tomber. Voilà. Donc on va mettre les petites bombes de côté. Hop. 520 grosses bombes, si jamais si un de ces 4 j'en ai besoin. Il y a plein de trucs dans mon coffre, je sais même plus comment faire. Il va falloir que je trie réellement un jour. Tiens, j'ai des ailes ici, les Lively. Je suis sûr que ça, les Lively, ils en ont tellement fourni que. Voilà, c'est. Les mecs, ils les vendent par 10 quoi. C'est... Oh, il est beau lui. Oh, c'est un petit lapin. J'ai envie de l'acheter, mais bon, voilà. Je vais le crafter. Trop mignon. Voilà, 10k les ailes, bon c'est déjà 10k, mais j'en ai 10 du coup. J'ai 10k, bah, j'ai 100k en ailes, voilà. Bravo. Après je peux love des gens si vous voulez. Je love right shoot, s'il est connecté. Oh merde, il est plus connecté. On va faire chier, Jeff, tiens, on va le love. LOL. Voilà, je love Jeff pour 24h. Jusqu'à demain, 15h54, tu seras rouge. Voilà. Donc du coup, on va ouvrir la boîte. Enfin, giveaway d'ailes. Bah, ça revient au même. Parce que il y a forte chance que les gens les ont, les ailes. Et ils verront que le flux qu'ils peuvent s'en faire. C'est pour ça que je donnerai, en général, quasiment jamais de choses physiques. Je suis bien content d'avoir un Dreamer Code puisque c'est la seule chose que vous pourrez pas vous procurer comme ça pour vous faire du flux. Et si vous avez des Dreamer Code et que vous les vendez, c'est complètement illégal et votre compte vous peut être banni. Donc voilà, donc vos risques et périls. Parce que moi je veux vraiment pas avoir l'insigne au-dessus de la tête écrit bon quoi, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui vont me follow, qui vont me suivre uniquement parce qu'ils savent que je fais des giveaways de stuff, de choses qui peuvent ramener des flux. Imagine le truc. C'est tout simple hein, à comprendre, mais il y a des gens qui sont aussi fourbes que ça, tu vois. Ils verraient que l'argent. Bon, on a plus que 5 minutes pour regarder les boîtes, en espérant que j'ai pas une bonne gemme, parce que du coup, ben, on sera emmerdé. On sera vraiment emmerdé, du coup. Mais au moins, on se fait de la dust. Bien pratique ce mode quand même hein. On regardera après ce qu'on garde et ce qu'on garde pas. Plus que 18 boîtes. Voilà, maintenant on va des les une étoile, ça c'est les une étoile, on est sûr de rien en faire. Voilà, là on va regarder du coup. Alors, celle-ci, 384, non, c'est trop bas. Et surtout qu'il manque une stat. Il manque une stat et c'est 384, ça sert à rien, on peut d'être. 396, pareil, manque une stat.
472 en physical avec maximum heal et critical hit, c'est mauvais. 489 physical, critical hit, maximum heal, encore une fois, c'est trop bas et la stat, c'est mauvais. 490 critical hit, critical damage et critical et physical damage, elle est perfecte au niveau des stats, mais elle est un peu basse au niveau du PR. Donc c'est à dire que je vais devoir passer peut-être trop de temps dans la forge de la montée. Donc, à contre-cœur, malgré que c'est une perfecte et qu'elle aurait peut-être pu devenir full perfect étant donné deux proc, un proc sur le deux proc sur une stat et un proc sur une autre stat, à éviter le critical hit, elle aurait pu. Mais elle est trop basse. J'ai passé trop de temps dedans et ça va me niquer trop de dust et de flux. Donc non. Et celle-ci, c'est critical hit, magical damage et maximum hit, 520. Ça aurait été du critical damage à la place du critical hit, j'aurais dit oui. Donc non, je vire. Et la dernière, 528. C'est une perfect magic. Donc 528, ça commence à être bien. On pourrait encore attendre d'être à 540, mais là, non. GG, Chino, GG. Donc du coup, je la garde et on pourrait se la monter à l'occasion, mais pour le moment, on va pas le faire. Parce que là, il reste que 2 minutes. Donc là, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est vite fait trouver les stellars que je peux devs, du coup, que je pourrais pas vendre. Hop, ça c'est bon. Une Spear Attack Speed par exemple, tu vois, les Spear Attack Speed, ça tu peux vendre sans problème. J'en ai deux en plus. Il me semble que c'était précisément bon ces deux là. Hop. Et non, j'en ai encore. C'est compliqué, hein. Une épée Energy Regen, ça non plus, j'en ai pas besoin. Encore une Spear Attack Speed, ça non plus. Encore une Spear Attack Speed. Une Spear Energy Regen, c'est bon. Energy Regen, c'est bon. On essaye déjà de faire un peu de place, hein. Oui, dans une minute, je sais. Donc, j'ai même de nouveau des arcs. Une spire encore en attack speed. J'ai eu que ça ou quoi? J'ai un peu de gun aussi tout à l'heure. J'ai fait un peu de ST avec mon gun, donc du coup. Je crois qu'après c'est bon, après je crois que j'ai plus trop. Je crois qu'après c'est bon. Non, après on est bon. Après on est bon, ça je me souviens, ça c'est bon. Donc moi sur ce, de toute façon, le serveur va se fermer. Voilà. Donc là on s'est fait du flux logiquement tout pile à temps. Donc voilà. Donc la mise à jour risque de durer 3 heures, je crois, un bon 3 heures. Ça peut arriver à revenir avant ou un peu plus tard. Je sais pas pourquoi je suis retry. Donc merci à tous d'avoir regardé le stream. Encore merci d'avoir participé. Encore GG à Thibaut et à GG à Raichute pour avoir gagné les Dreamer Code. Moi je vous donne rendez-vous demain après-midi 17h30, 19h30. Soyez là. Il y aura peut-être de nouveau des giveaways, j'en sais rien, peut-être pas. Ça c'est vraiment, ça sert à rien de vous demander, de toute façon c'est vraiment quand je le décide. Je vous dis à demain, bon après-midi à tous, allez vous reposer pendant la mage. Et je vous dis à demain. Peace. Et n'oubliez pas, pour ceux qui ont raté le début du stream, il y a la rediff qui va arriver tout de suite après, comme d'habitude. Donc bonne rediff pour ceux qui restent là.
Et ça vous... Voilà, je risque d'être l'un des seuls streams allumés du fait qu'il n'y a plus de serveur. Voilà. Donc, peace, 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 peace.